En 2027, les progrès de la biotechnologie étaient tels qu'il était possible d'améliorer ses capacités mentales et physiques de façon spectaculaire, à condition d'y mettre le prix. Une nouvelle espèce avait ainsi fait son apparition, à mi-chemin entre l'homme et la machine, ce qui était loin de plaire à tout le monde, en tout cas à Détroit. Je venais tout juste d'être nommé chef de la sécurité chez Sarif Industries, une société de biotechnologie de pointe. C'est David Sarif en personne qui m'avait choisi pour que je protège son personnel. Mon ex, Megan Reed, était l'une de ses employées. Neuroscientifique brillante, Megan avait réussi à rendre les augmentations sans danger et abordables pour tous. Il lui restait juste à expliquer ses découvertes au Congrès. Mais la veille de sa grande présentation, mes mesures de sécurité furent prises en défaut. Un groupe de mercenaires a pris d'assaut les locaux de Sarif Industries en tuant tout le monde sur son passage. Trois d'entre eux étaient des augmentés, de véritables machines de guerre. Leur mission, faire disparaître Megan et son équipe. J'ai tout fait pour les arrêter, mais leur leader m'a projeté à travers une vitre blindée. La dernière chose que j'ai entendue quand il a appuyé sur la détente, c'est les hurlements de Megan. J'aurais dû mourir avec elle, mais ça s'est pas passé comme ça. J'ai été sauvé par des améliorations high-tech de type militaire. Les meilleures augmentations de David Sarif. J'ai mis 6 mois à apprendre à vivre avec. Il m'aurait fallu plus de temps, mais alors que j'étais en pleine rééducation, Sarif Industries a été victime d'une nouvelle attaque. Cette fois-ci, aux mains d'un groupe de radicaux pro-humains. Des militants ultra-violents, farouchement opposés aux augmentations humaines. Ils prétendaient faire partie du Front pour l'Humanité. Une organisation à but non lucratif qui voulait que l'ONU limite les recherches en biotechnologie. Ils sont entrés par effraction dans l'usine de Sarif et sont tombés sur des opérateurs qui travaillaient sur un prototype d'augmentation militaire ultra secret, le Typhoon. Sarif m'a envoyé à sa recherche et quand je l'ai trouvé, je me suis retrouvé nez à nez avec l'un de ces prétendus puristes reliés par des implants cérébraux pour tenter de télécharger des données top secrètes. Clairement, c'était pas qu'une simple histoire de vol. L'augmenté s'est donné la mort avant que je puisse l'interroger. Sarif m'a ordonné d'approfondir l'enquête, alors c'est ce que j'ai fait avec l'aide de Frank Pritchard, son responsable de la sécurité informatique. Et on a découvert qu'un deuxième pirate contrôlait les actions de l'augmenté à distance. Pritchard et moi avons remonté la trace du signal jusqu'au camp d'internement de la FEMA, à Détroit. C'est là que nos mercenaires se cachaient. Les mêmes qui m'avaient laissé pour mort 6 mois plus tôt. Je me suis dit qu'ils allaient retenter leur chance en me voyant. Mais hors de question pour moi de les laisser faire. Je me suis débarrassé du dénommé Barrett, ce qui m'a permis d'obtenir une nouvelle piste. Un appartement en Chine. Bien entendu, nous savions tous les deux qu'il ne pouvait s'agir que d'un piège. L'île chinoise Dengsha. La ville y est si peuplée qu'on a dû en construire une seconde par-dessus la première. Trouver des indices là-bas n'allait pas être une partie de plaisir. Mais heureusement, j'étais pas seul. La pilote de Sarif Industries, Farida Malik, avait vécu à Dengsha. Elle allait donc pouvoir me guider dans la ville, et je n'étais pas mécontent de l'avoir à mes côtés. Malik m'a déposé dans la ville basse, près de l'appartement dont Barrett m'avait parlé. Quand je suis arrivé, toutes les pièces avaient été retournées par des agents de Belltower Associates, une société de sécurité privée travaillant sous contrat pour le gouvernement chinois. Mais ils avaient une toute autre raison de se trouver là. Il s'est avéré que le locataire de l'appartement était un pirate du nom de Van Bruggen, celui-même qui contrôlait l'augmenté à distance dans l'usine de Sarif. En l'obligeant dans la panique à se donner la mort, Van Bruggen avait commis une grosse erreur, et ses anciens partenaires étaient désormais à ses trousses. J'allais devoir mettre la main sur lui avant eux. Mais pour retrouver Van Bruggen, j'allais devoir entrer dans les bonnes grâces des triades, la mafia d'Engsha. Leurs hommes avaient enfermé mon pirate dans un hôtel à capsule sordide. Quand j'ai fini par le trouver, Van Bruggen m'a donné le nom de sa commanditaire sans hésiter, Zhao Yunru, la présidente de Taiyang Medical. D'après lui, Zhao avait embauché des mercenaires pour déstabiliser sa concurrence et ainsi obtenir le monopole de l'industrie des augmentations.
Sarif Industries était sa cible principale. Afin de prouver ses dires, j'allais devoir m'introduire chez Taeyong Medical et voler un enregistrement de sécurité sur un serveur. Je me doutais bien que Van Bruggen m'avait pas tout dit. Mais je m'attendais certainement pas à ce que j'ai trouvé. Megan était en vie. Ses quatre meilleurs chercheurs et elle avaient été enlevés et transférés quelque part, pendant que leur ravisseur les faisait passer pour morts. Prêt à tout pour en savoir plus, je suis monté chez Zhao pour lui demander des comptes. Elle a prétendu n'être qu'un pion au milieu d'un groupe si puissant qu'il pouvait contrôler les intérêts mondiaux comme bon lui semble. Et puis elle s'est enfermée dans une pièce sécurisée et a déclenché l'alarme. J'ai donc dû filer rapidement. Je me suis dit que Zhao mentait. Mais certains points de sa confession semblaient plausibles. David Sarif s'inquiétait pour ses employés, à tel point qu'il avait exigé d'eux qu'ils se fassent poser un implant de localisation. Ces puces GPL auraient dû être en service le jour de l'attaque. Mais d'après Zhao, elles avaient toutes été désactivées d'un simple coup de fil à Picus, le leader mondial de l'info en continu. J'allais devoir me rendre au QG de Picus à Montréal si je voulais en savoir plus. Elisa Kassan, la première dame de l'info de Picus. Pour Malik, c'était impensable qu'elle puisse être impliquée dans l'affaire. La plus célèbre présentatrice au monde qui serait de mèche avec un groupe de mercenaires. Mais quand je suis arrivé pour parler à Kassan dans son bureau, elle a tout de suite avoué avoir brouillé les satellites de Détroit le soir de l'enlèvement de Megan et son équipe. Apparemment, elle avait reçu des ordres. J'ai eu l'impression qu'elle voulait m'en dire plus, mais des mercenaires sont arrivés pour tenter de nous faire taire. Et tout d'un coup, sans que j'y comprenne rien, Elisa a disparu. Les mercenaires avaient à leur tête une tueuse augmentée que j'avais déjà rencontrée deux fois par le passé. Fedorova, une femme qui n'avait pas hésité à ordonner l'assassinat de sa meilleure amie. Elle a attendu que je remonte la trace de la transmission d'Elisa jusqu'à une pièce secrète sous le bâtiment de Picus et elle m'a attaqué par surprise. Nous nous sommes battus et je me suis assuré qu'elle ne puisse plus jamais s'en prendre à personne. Sans plus rien avoir à craindre de Fedorova et libre de parler, Elisa est réapparue. J'ai ainsi appris que la première dame de Picus n'en était pas vraiment une. Il s'agissait en réalité d'une intelligence artificielle ultra sophistiquée, programmée pour surveiller les flux de données et contrôler les convictions du public. Elisa m'a expliqué que les mercenaires avaient fait venir un médecin du front pour l'humanité, appelé Isaiah Sandoval, afin de retirer les implants de localisation des scientifiques pendant que les satellites de Détroit étaient coupés. Elle m'a aussi suggéré de parler à David Sarif, pour en savoir plus. Quand Malik et moi sommes rentrés à Détroit, les tensions entre organiques et augmentés étaient à leur comble. Des émeutes avaient éclaté dans différentes villes, et tout le monde réclamait une intervention de l'ONU. Sarif faisait tout pour convaincre Hugh Darrow, un inventeur devenu philanthrope et ancien avocat des technologies d'augmentation, de l'aider à empêcher un vote de régulation. Sarif misait beaucoup sur Darrow. La découverte de Megan aurait donné la chance à des millions de gens de dépasser leur simple capacité humaine, tout en faisant de Sarif Industries la société la plus prospère au monde. D'après Sarif, les ravisseurs de Megan étaient au courant et refusaient que cette évolution se fasse en dehors de leur contrôle. Il m'a expliqué que ses ennemis étaient des Illuminati et m'a encouragé à continuer mes recherches. C'est donc ce que j'ai fait. Et j'ai retrouvé Sandoval grâce à l'opposant aux augmentations le plus farouche des États-Unis, Bill Taggart, son patron et le fondateur du Front pour l'Humanité. Sandoval m'a avoué être intervenu sur Megan et son équipe quand je lui ai parlé. Et il m'a juré ne pas avoir retiré leur puce GPL et en avoir simplement modifié la séquence. Pritchard a retrouvé la trace d'un de ses signaux en Chine. Et je me suis mis en route avec Malik. Malheureusement, les Illuminati avaient un coup d'avance. Une embuscade. On s'est fait abattre par Bell Tower à la seconde où on a pénétré dans l'espace aérien d'Engsha. Si j'ai survécu, c'est uniquement grâce à Malik. Après un combat intense, j'ai réussi à rejoindre la ville basse. Le signal que je suivais m'a conduit droit vers les triades. Ou plus précisément vers le bras augmenté de Tang Si-Hung, le leader d'un gang de recycleurs d'augmentation.
D'après Tong, ils avaient pris le bras sur un cadavre déposé par Bell Tower à leur porte. Ce qui voulait dire qu'au moins un des scientifiques de Sarif était mort. Mais les autres étaient peut-être encore en vie. Tong m'a indiqué un port utilisé pour le trafic d'êtres humains et m'a aidé à m'introduire dans un bateau de Bell Tower. Il faisait route vers le camp de l'îlot du Fusillé, une base militaire en mer de Chine méridionale. C'est là que Bell Tower retenait prisonniers des civils enlevés, afin de perfectionner leur projet Iron, une interface neuronale provoquant la mort de la plupart de ses cobayes. Mes recherches pour retrouver Megan se seraient arrêtées là sans un mystérieux allié du nom de Quinn. En échange de mon aide pour faire tomber Bell Tower, il m'a fait entrer dans un deuxième bateau en route pour le Ranch Omega, à Singapour, un centre de recherche dirigé par les Illuminati. C'est là que se trouvaient trois des scientifiques de Sarif qui avaient été forcés par leur ravisseur à créer une technologie capable de désactiver les augmentations à distance. Suite à un avertissement d'urgence lancé par l'Organisation Mondiale de la Santé, des millions de gens sur la planète s'étaient déjà fait poser cette puce. Avec l'aide de ces scientifiques, j'ai retrouvé Megan dans une section privée du ranch. Là, je suis tombé sur Yaron Namir, la machine de guerre qui m'avait collé une balle dans la tête à notre première rencontre. Faisant désormais équipe avec Zao, il espérait me prendre par surprise. Mais leur petit plan a échoué. J'ai trouvé Megan dans une suite appartenant à Hugh Darrow, le milliardaire philanthrope appelé à la rescousse par Sarif. Darrow l'avait convaincu d'accepter le projet de Biopuce en lui promettant de saboter la technologie. Tandis qu'elle me racontait tout, Darrow a diffusé une annonce mondiale. Les augmentations allaient signer la mort de l'humanité. Et pour prouver ce qu'il disait, il a activé les Biopuces. Partout sur la planète, des personnes augmentées sont entrées dans une rage meurtrière. Darrow avait trahi tout le monde. Et c'est à moi qu'il incombait de régler le problème. Pour ce faire, j'ai dû me rendre à Panchaya, une gigantesque installation dans l'océan Arctique. Tandis que je me ruais dans des couloirs construits par des ouvriers augmentés, j'ai croisé la mort et la destruction. Le temps que je mette un terme à la diffusion de Darrow, le mal était déjà fait. Pourtant, l'avenir de l'humanité restait incertain. Comment le monde allait-il réagir à ce sabotage? Les gens finiraient-ils par refaire confiance aux augmentations? Quel serait le prochain coup des Illuminati? Les réponses viendraient avec le temps. One of us. This must not go on. This injustice must end. An increase in the number of terrorist attacks highlights the danger posed by augmented citizens. I once thought I could save the world. Now look at it. Help me! Sometimes, you just have to let go and embrace what you've become. They've worked from the shadows for years, shaping the future, manipulating lives, controlling information. Innocents have died as they play their game. We will not sit idly by and allow our rights to be eroded out of fear and ignorance any longer. We will not be herded into ghettos and treated as outcasts. We will stop at nothing. The world is different now. The old rules no longer apply.
much pain. So many lies. Their darkness must end. This should be your fight as well, brother. The promise of a golden age is over. Technology is advancing at a phenomenal rate. Artificial eyes to cybernetic limbs. The promise of a better future. We now have the choice to free ourselves from any kind of limitation. Strength, power, speed. Now I focus on what really matters. Have these augmentations really been tested? There are people who say that what is happening is unnatural, that we're playing God. But people were scared of electricity. And where would the world be without that? What happens if this technology falls into the wrong hands? Diseases or viruses that could wipe out the human race. Seeing the terror of being witnessed worldwide. What kind of madness has gripped the mechanically augmented people? 9 million deaths confirmed and counting. This is an attack on humanity. And the universal values that we share. These people were hacked. They had no control. What is the appropriate response? And can we actually protect ourselves from this happening again? I have no idea what happened. I would never... She tried to kill me. At what point will governments consider the idea of segregation for all our sakes? We can be politically correct, or we can be foolish. But it's gonna get worse and worse. The Czech Republic adds its voice to a growing list of countries calling for the relocation of its augmented citizens. We have citizens. No reports choice. Of severe shortages of the drug neuropazine required to inhibit the rejection of augmentations. And we will fight for our God-given rights to defend our will! In sign of growing anti-augmentation sentiment, thousands lost. It doesn't matter how many idiots you get out there on the street. We will not relinquish our limbs. Do you understand? What is happening on this planet is a mass fear-mongering, and the mainstream media pushing this narrative. The officer suffered severe facial injuries. Incident after incident after you incident. You need to be afraid, because they are coming for you. We will not be made slaves to corporations. We will rise up. To them, we are the enemy. Have you seen what your kind are doing? My kind? You sound just like them. We've come to a tipping point. You can't live like this anymore. This violence is completely out of control. The world is being paved for this corporate militant. What do they have planned for us? Why are they building concentration camps? What's going on out there? Reports of multiple fatalities. Only one way to deal with these bloodthirsty fanatics. A lot of people die. Now you want to take away our freedom? You will pay for it in blood. Multiple detonations looks like car bombs. The Augmented Rights Coalition denies responsibility. The Segregation Act has been passed into law, effective immediately. Augmented persons are being asked to move to safe and secure segregated districts. I don't want them to take me. We are still your neighbors. Your brothers. Your sisters. Your lovers. We lost everything. Our dreams. Our innocence. Where are you taking her? Where are you taking her? Our humanity. Thank you.
Nice work with the train, Shang, but we got another problem. A bomb scare. We can't get into Tarvos until it's resolved. Un jour, j'ai cru que je pouvais sauver le monde. C'était peine perdue. Nouvel attentat perpétré par un augmenté. Les 251 passagers du vol 451 de la compagnie Sista Airlines ont été tués après qu'un passager augmenté a fait irruption dans le cockpit et sauvagement massacré l'équipage. Selon les enregistrements de la boîte noire, l'homme aurait revécu un flashback de l'incident des augmentés. Ce jour funeste, il y a 2 ans, où toute la population augmentée du monde a été prise d'une crise de folie meurtrière qui s'est soldée par le bilan humain le plus lourd de l'histoire récente. Parfois, il faut savoir lâcher prise et accepter ce qu'on est devenu. N'allez pas nous péter un câble maintenant, l'amplifié. Dites-moi. Si je pète un câble, vous aurez pas le temps de vous en rendre compte. Agent Jensen, est-ce que vous allez me poser un problème ? Non, chef. Y a pas de raison que ça arrive. Bien. Parce que vous êtes le seul et unique agent augmenté de cette équipe. Et j'aurai besoin de vous jusqu'au bout. Écoutez-moi tous. On a une tempête de sable et elle nous fonce droit dessus, alors on n'a aucune marge d'erreur. Notre objectif est un trafiquant d'armes. Son nom est Shepard, un ex-Bell Tower. C'est l'un des commandants des forces spéciales qui a disparu pendant l'incident. Et il vient se montrer ? C'est pas bon signe. Effectivement. Il est là pour vendre des armes et des augmentations militaires à des terroristes. Voici Arun Singh, l'agent infiltré qui a réussi à faire sortir Shepard de sa planque. Le meilleur atout d'Interpol. Ça fait 3 ans qu'il fait tout pour tisser des liens avec les djinns. Un cartel de contrebande irakien qui a infecté l'hémisphère est comme la peste. La semaine dernière, notre trafiquant d'armes a contacté les djinns pour leur proposer un gros paquet de marchandises de contrebande à prix cassé. Ils ont dit à Singh de s'en occuper. Ça va pas leur plaire qu'Interpol déboule comme ça. La couverture de Singh est en béton ? En béton armé. Et il faut qu'elle le reste. C'est là que la transaction aura lieu. Un gratte-ciel hôtelier en construction, laissé à l'abandon depuis l'incident. Je vous
vous préviens, c'est pas très joli à voir. Je crois que je devine. La plupart des ouvriers avaient des augmentations industrielles ultra-résistantes. Quand ils ont tous pété les plombs, le jour de l'incident, ça a très vite tourné au bain de sang. Et à part quelques junkies sans abri, personne n'y a plus jamais remis les pieds. Quel est votre plan, directeur ? Singh doit rencontrer Shepard au rez-de-chaussée, dans le hall principal de l'hôtel. Il a posté la plupart de ses hommes au niveau des appartements terrasses pour avoir un avantage. MacReady, avec votre équipe, prenez les positions avec vue sur le hall et arrêtez-les. Jensen, vous passez par le toit, en solo. Et mon objectif ? Empêcher les djinns de se joindre à la fête. D'après nos informations, il n'y a qu'un seul moyen de rejoindre le hall depuis le dernier étage. Une cage d'ascenseur à peu près viable. Ici. Je veux que vous en bloquiez l'accès. Ok, je m'en occupe. Vous croyez vraiment que vos augmentations suffiront sur ce coup-là ? Vous feriez mieux de vous équiper un peu, mon vieux. Prenez pas le risque. Faut pas oublier notre agent. Il aura moins de mal à conserver sa couverture s'il n'est pas le seul survivant une fois l'opération terminée. C'est pas bête. Ouais, parce que s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est vous qui préviendrez sa femme, une fois que vous serez sorti de l'hôpital. Quelle portée vous voulez ? Vous verrez, il y a pas mal de grands espaces et de hauts plafonds là-dedans. Mais aussi un certain nombre de pièces assez étroites et exiguës. Ce petit bonheur a la chance, en fait. Je compte pas y aller pour jouer au dé. Donnez-moi une arme à longue portée. Entendu. Vous aurez moins de chances d'être vu et de compromettre Singh comme ça. Une dernière chose, Jensen. D'après Singh, les djinns se servent d'un genre d'appareil Wi-Fi portatif pour amplifier leur communication. Il aura une meilleure chance de conserver sa couverture si vous le désactivez. Je vais faire de mon mieux. Mais on n'est pas un peu pressé, là. Vous avez parlé d'une tempête de sable. Oui, en effet. Et comme on a eu les infos sur cette mission un peu à la dernière minute, il va être temps qu'on s'affole. Dans le pire des cas, votre priorité numéro 1, c'est d'empêcher les djinns d'approcher du hall. Bien sûr. C'est l'heure de ranger vos sourires, messieurs. On sera bientôt arrivé à destination. Passez devant, Jensen. C'est parti. Task Force Actual, ici Knife Leader. Je passe en mode furtif et je descends à 15 000 pieds. Leader, ici Jensen, je suis sur le toit. Reçu 5 sur 5. Entrez dans le bâtiment. L'accès que vous devez bloquer est à l'autre bout des appartements terrasses. Et n'oubliez pas, le chemin le plus court ne sera pas forcément le moins risqué. Bien sûr. MacReady nous préviendra dès que son équipe sera en position. Terminé.
Jensen, on progresse dans... Ah, merde! Qu'est-ce qui se passe? Les djinns ont mis en place tout un tas de générateurs. On va devoir pirater ça. Des couleurs et des formes, ça devrait vous plaire, Macready. Oubliez pas, le rouge, c'est pas bon. Allez vous faire foutre.
راح يكون من الافضل إلنا نجيب اسلحه جديده. غلط بالمكان هذا. بتنفس بصعوبة. ايش حد هذا؟ ممكن العاصفة تكون السبب. سمعت شيء؟ ممكن يكون واحد من Jensen, Mac, écoutez-moi. D'après les données du radar, la tempête de sable est tout proche. Elle est énorme et elle va tout dévaster. J'ai horreur du désert. Visuel confirmé ? Confirmé. Le temps joue contre nous. Bien sûr. 5 sur 5.
كده جينا بدري مش شايف اي حاجة. Bien, il y a beaucoup de choses qui reposent sur cette transaction. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve coupé. McCready, comment ça se passe? C'est plus lent que prévu. On dirait que quelqu'un a retourné la terre d'un cimetière par ici. Pardon? T'as réussi à installer l'amplificateur alors? Bien, il y a beaucoup trop de choses qui reposent sur cette transaction. Je ne sais pas qu'on soit plus compliqué. كان ده المفروض يكون هادي. عشان المخزن من المخازن الموجودة على السطح. تكون بعيدة من الرمل. McCready, comment ça se passe? C'est plus lent que prévu. On dirait que quelqu'un a retourné la terre d'un cimetière par ici. Pardon? Quand tout est parti en couille en 27, les gens ont dû se ruer vers les escaliers. Il y a des cadavres partout. Il y a même des cousins à vous, Jensen. Vous voulez que je vous rapporte une petite pièce de rechange? Non, mais je prendrai un nuage de lait et de sucre.
si vous voulez bien. الله يخسر نحط البوس عليك. بص هنأمن هنلف حول المكان ده. Jensen, où vous en êtes ? Je suis en train de traverser le dernier étage. N'oubliez pas de chercher l'amplificateur de communication des djinns. Si vous le trouvez, désactivez-le. Bien sûr. قادر اتنفس هنا. يا ريت يتحركوا بسرعة شوية، لو الريحة هاجت علينا هنموت. تعال نأمن المكان هناك. سمع. لا، ما في
Que tout le monde m'écoute. Chang a piraté le signal radio des Jin. On vérifie notre connexion. On devrait entendre Singh d'une seconde à l'autre. Khalil, le rogue qui a parlé de la chagat est venu un peu. روح قول لبقية الناس ان انا هعصلكم وخليكم يعني منتظرين. On est connecté. On reçoit bien. Bien. Je nous reconnecterai quand ça commencera. Il nous faut ces armes. L'amalaya dit qu'elle est fait comme Nayel Abnil. Tu disais? J'écoutais pas.
Miller, j'ai désactivé l'amplificateur des djinns. Il devrait avoir plus de mal à écouter l'échange. Beau travail. Avec un peu de chance, Singh sortira de tout ça avec sa couverture intacte. Bien sûr. Je me dirige vers la cible principale. Le vent commence à se lever. Va nous faire du bien, ces nouvelles armes. Jensen, on est dans le hall. On prend position sur les terrasses. Vous en êtes où ? Je suis en chemin. Ouais, ben grouillez-vous. L'hélico ennemi va pas tarder, la tempête non plus. Vous avez désactivé l'amplificateur ? Affirmatif, je l'ai grillé. Alors notre robot a un cœur, finalement. C'est sympa de prendre soin de l'équipe. Terminé. Mafish haga. Daiman mafish haga. Oh!
anomalie détectée. Programme accès permis. Ici Jensen. Accès au dernier étage sécurisé. Les djinns poseront plus de problèmes à vous. Bien reçu. C'est pas trop tôt. Hélico ennemi en vue. Très bien, Strike Force. Maintenez la position. Strike 1, en position. Strike 2, arrêt. Strike 3, ouais. Strike 4, on tient la position, chef. On ouvre l'œil et on vise juste. Sans déconner, petit malin. Surveille ce que tu dis, Hallyday. Fermez-la, tous les deux. Cinq en position. Tout le monde sur le coup, messieurs. Sing à l'acheteur en visuel. Je vous connecte maintenant. La cible est dans la zone. N'oubliez pas, Sing est là. Faites gaffe où vous tirez. Vous avez du cran. Faire une vente avec une tempête de sable au cul. C'est plutôt Dame Nature qu'il faut féliciter, monsieur. Appelez-moi Shepard. Très exotique. C'est les armes ? Du matos. Ça devient dur d'en trouver. Les armes sont dans l'hélico. Montrez-moi vite le fric qu'on puisse... Oh ! Putain ! Shepard est mort. Quoi ? Qui l'a tué ? Dites-moi ce qui se passe en bas. Miller, c'est pas les djinns. Je répète, c'est pas les djinns. Ils veulent les armes. Ouvrez le feu ! Ouvrez le feu ! On engage, ouvrez le feu sur eux ! Ils vont prendre l'hélico, vous les avez ? Négatif, négatif ! On se fait canarder de tous les côtés, là ! Faut surtout pas les laisser décoller, Jensen ! Je m'en occupe. J'aime pas ça. Il se rapproche. On va perdre Sing ! Jensen, je peux pas l'atteindre ! Jensen, grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico ! Merci. Jensen, équipe d'assaut, répondez! C'est Sing, je répète, Sing est mort! Bravo, beau travail, Jensen! Espèce de sale petite enfoirée de merde!
J'aime pas ça. Il se rapproche. On va perdre Singh ! Jensen, je peux pas l'atteindre ! Jensen, grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico ! Bien sûr. Grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico. Bien sûr. Thank you.
Préparez-vous! L'hélico va décoller! J'aime pas ça. Il se rapproche. On va perdre Singh! Jensen, je peux pas l'atteindre! Jensen, grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico! Bien sûr. J'aime pas ça. Il se rapproche. On va perdre Singh! Jensen, je peux pas l'atteindre! Jensen, grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico! Bien sûr. Jensen, équipe d'assaut, répondez! C'est Singh, je répète, Singh est mort! Oh, bravo, beau travail, Jensen! Espèce de sale petite enfoirée de merde! J'aime pas ça. Il se rapproche. On va perdre Singh! Jensen, je peux pas l'atteindre! Jensen, grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico! Bien sûr. Thank you.
Miller, l'hélico est à terre. Je répète. Jensen ! Y a pas de quoi le câbler. Merde.